Payot. Et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque Page. Bonjour, bienvenue dans Marque Page. Aujourd'hui, nous vous présentons « Demi-pensionnaire » de Mona Granjon aux éditions Rivage. Une proposition de Benjamin Giangrande de Payot Libraire, ici à Lausanne. Vous parlez de « Demi-pensionnaire » de Mona Granjon, qui est une BD autobiographique sur la partie, sur la période entre le lycée et le collège, où Mona est en dernière année de collège, avec son amie, elle rêve d'être dans la même classe qu'elles ne vont pas l'être, parce que ça ne se passe pas comme on souhaite dans la vie. Ce que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est que c'est vraiment toutes ces premières fois entre le corps qui change, les garçons, le premier voyage scolaire, toutes ces choses-là, avec un humour vraiment sympa. Vraiment, ça dédramatise quand même beaucoup de choses, tout en allant dans des situations très absurdes, mais finalement, cette période de l'adolescence où on cherche pas mal. Et quand on est dans la même classe, est-ce qu'on arrive à garder une amitié ou... Alors, quand on n'est pas dans la même classe, plutôt. Je pense que oui. Après, c'est vrai que c'est toujours difficile parce qu'on va rencontrer d'autres personnes. Et à cet âge-là, on peut être un peu vite, se sentir un peu exclu si on n'est pas tout le temps ensemble. Mais finalement, là, elle s'en sort plutôt bien. Et là, le livre, il s'adresse à qui ? Aux adolescents qui ont besoin de comprendre ce qu'il y a ou aux parents des adolescents qui, justement, vivent ça ? Je dirais plus aux adolescents qu'aux parents. Je dirais que c'est plus vraiment une histoire rigolote que vraiment quelque chose pour expliquer vraiment qu'est-ce que c'est cette période-là. Mais après, les parents peuvent tout à fait le lire et puis peut-être pour dédramatiser aussi sur ce que leurs enfants vont devenir et qu'il y a des choses qui ne sont pas si graves que ça. D'accord, finalement. D'accord, c'est bien. Alors, dans un bel univers. Merci beaucoup. Merci à vous. Le premier baiser, la première soirée, le premier vomi sur son crush. C'était un extrait de Demi-pensionnaire pour Marque Page. Quant à moi, je vous dis à demain pour de nouvelles propositions littéraires. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque Page.